doesn't know how to walk. He doesn't know how to run. He always smiles, he never talks. Ces nations présentes, 150 concurrents, le patin à roulettes international était fort bien représenté à Grenoble à l'occasion de ces 17e championnats du monde. Au programme, des épreuves de vitesse qui correspondent aux 300, 500 et 1500 mètres et des épreuves de fond, le 5000, 10000 et 20000 mètres, spécialité des Français. Encore confidentiel dans certains pays, à l'instar du Japon, de l'Angleterre ou de la France, le patin à roulettes demeure en revanche un sport très populaire en Italie. Ce n'est donc pas un hasard si les Italiens dominent la compétition internationale. Depuis plusieurs années, les Italiens sont les maîtres dans le monde du patinage, et les Américains également. Mais depuis, disons, un an, l'équipe de France a fait de gros efforts. Et je crois que nous arrivons à leur niveau. On l'a prouvé au championnat d'Europe dernièrement. Et bon, à Grenoble, on a particulièrement préparé ce championnat du monde. Et je pense que sur les longues distances, parce que bon, les 300 mètres, les 500 mètres, ce n'est pas encore notre course. Mais sur les longues distances, je pense que nous allons sérieusement les inquiéter. Et je serais très déçu si on n'avait pas un champion du monde sur une longue distance. Allez, Angélique! Angélique, champion! Bon, je pense que les filles vont également suivre la trace des garçons, mais cette année, c'est peut-être un peu tôt. Je pense honnêtement que si j'ai une médaille chez les filles, je serai très satisfait. Vous terminez seconde alors que vous aviez bien mené cette course. Oui, mais je vous dis, en ligne droite, mon remontée, j'arrivais pas à allonger correctement. C'est très difficile, il fait chaud en plus. Il fait chaud, certes, mais il faut bien reconnaître la suprématie des Italiennes. Dans toutes les finales, elles étaient omniprésentes. Sur 300 mètres chrono, par exemple, la lutte était serrée. D'un côté, l'Italie, de l'autre, les États-Unis. Au sprint final, les Américaines n'ont vu que du bleu, puisque c'est Marisa Cannafoglia qui remportait la première médaille d'or de ces championnats, mais certainement pas la dernière. Chez les jeunes gens, là non plus pas de surprise, pas de Français en finale du 500 mètres, mais on retrouvait en revanche trois Italiens contre un Allemand. Dans ce cas bien précis, c'est la loi du plus fort qui fut respectée, avec un titre de champion du monde pour Giuseppe De Persio, quatre médailles d'or et argent en l'espace d'une heure, tout laisse à penser que ces patineurs bénéficient de conditions particulières dans leur pays. C'est sûrement le premier sport non olympique en Italie. Nous avons 3000 pratiquants officiellement de ce sport. Nous avons 400 pistes. C'est un sport très populaire en Italie. Alors est-ce que les Français, vous les redoutez un petit peu sur la piste? Oui, je pense que les Français, cette année, ils ont fait un très bon travail. Nous avons beaucoup de chance ici parce que la piste de Grenoble est très jolie, on peut aller très vite. Et nous avons déjà fait des compétitions ici, le championnat d'Europe, dans les 1973. Et nous espérons d'avoir de bons résultats et nous espérons aussi pour la promotion de cet sport en France que les Français vont gagner quelques compétitions pour la promotion de cet sport. Qui a dit que les Italiens se dopaient? Des mauvaises langues, certainement. En réalité, les médailles s'obtiennent plus sérieusement que ça. Demandez d'ailleurs à Marisa Cannafoglia qui a réalisé une belle moisson de médailles, 5 d'or et une de bronze, ce qui correspond exactement au tiers de médailles remportées par son pays. La médaille d'argent revient à Santo Patricio, Italie. Vous êtes 6 fois championne du monde, qui le sait? Parce que bon, ça peut-être pas la même valeur qu'un titre champion du monde en tennis, en golf ou autre. Malheureusement, c'est-à-dire je crois que la grande chose, c'est que le patinage à roulettes n'est encore pas sport olympique. Si on fait une compétition d'une longue distance, on sera plus. On prendra une route qui se collera le moins possible pour éviter qu'à la fin pour le sprint final, on ait, comment on pourrait dire, des fatigues dans les jambes, des lourdeurs. Voilà. Autrement, en ce qui concerne un effort assez court comme un 300 mètres contre la montre, là on s'efforcera de prendre une roue un peu plus molle du fait que nous prenons un peu plus de risques dans les virages.
Alors un coureur dispose de combien de jeux de roues? La chance actuellement d'être en France et d'avoir essayé le matériel. Et ça fait qu'on est arrivé ici avec quelques jeux de roues, une dizaine de jeux de roues par coureur. Mais il s'avère que lorsqu'on doit aller faire un championnat à l'étranger, bon, on part avec 40 jeux de roues, voire 50 jeux de roues. Oui. Pourquoi? Bah parce qu'on ne connaît pas le terrain déjà. Bon, la roue est un facteur, bon, pour le patin, est un facteur essentiel de réussite. Et donc, il faut différentes duretés, bon, différents noyaux, différents diamètres. Bon, pour les essayer correctement. Et il arrive que même sur ce nombre incroyable de jeux de roues, on n'arrive pas à trouver les bonnes. Nous sommes obligés d'en acheter sur place. Et c'est vraiment incroyable. Et ça revient cher? Ben, un jeu de roues, ça revient aux de compétition, ça revient aux environs de 500 francs. C'est-à-dire les 8 roues, c'est ça? Oui, les 8 roues. Alors comment se fait-il qu'il y ait plusieurs couleurs sur un patin? Eh bien voilà, le patineur s'arrangera pour, éviter de glisser. Donc il pensera du côté intérieur du patin à mettre des roues plus molles pour mieux adhérer au sol. Du côté extérieur, pour avoir une meilleure roule, une meilleure glisse en ligne droite, entre autres, et c'est comment il s'arrangera pour avoir des roues un peu plus dures. Voilà. Alors il y a un choix infini, je veux dire. Tout ça dépend de la piste. Il y a des pistes qui glissent, il y a d'autres pistes qui ne glissent pas. Se vend 800 000 paires de patins par an en France, de patins loisirs. Mais par contre, il y a le côté compétition qui est complètement ignoré, en particulier peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez d'informations. C'est peut-être la faute de la fédération qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour promouvoir cette discipline au niveau des médias, etc. Mais quand on voit des compétitions comme aujourd'hui, je pense que le public est conquis et c'est un sport de haut niveau. Quand vous pensez qu'en patin à roulettes, on arrive à faire 10 km, 40 km/h de moyenne, qu'on arrive à une ligne droite d'arrivée à 60 km/h, ça n'a plus rien à voir avec le jeu d'enfant et le cadeau de Noël. Moi, je sais faire du patin roulette aussi. Et puis, des fois, je vais vite et c'est impressionnant. Et puis là, quand je les voyais, ça me... Et ça te plairait de faire de la compétition? Oh oui! Séduit par ce sport, le ministre de l'Environnement, Alain Carignon, l'a été aussi. Et comme c'est un homme de terrain avant tout, il a voulu s'initier. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais pour votre sélection en équipe nationale, je crois qu'il faudra encore faire pas mal d'efforts. Oui, mais écoutez, c'est la première fois, on m'a dit qu'il fallait 4 à 5 mois d'entraînement pour pouvoir patiner correctement. Alors, vous voyez, il y a que le premier pas qui compte. Et c'est pas le plus facile. C'est un très beau sport. D'abord, il est très, très beau, il a beaucoup de charme, il est élégant, il est sympathique. En plus, c'est un très, très bel acte sportif. À quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de la Chartreuse, l'équipe de France se relaxe avant de reprendre les choses sérieuses l'après-midi. À partir du moment où leur entraîneur leur a prodigué les derniers conseils, chacun se met à penser à la course, car comme tout autre sport, le roller skating est à prendre au sérieux. Au début, c'est vrai que bon, patin à roulettes, il y a un petit sourire qui se met sur les lèvres, mais je crois qu'on est vraiment pris au sérieux quand on commence à parler un petit peu entraînement, quand on rentre un petit peu dans la spécificité du sport. Bon, là, on se rend compte que c'est vraiment un sport à part entière. Tout athlète de haut niveau est un être fragile. Sur le plan du patinage à roulettes, il y a des paramètres que nous maîtrisons mal, par exemple des paramètres biomécaniques. Il y a des paramètres d'ordre qui relèveraient à la limite d'un ingénieur, hein, puisqu'on parle beaucoup des roulements à billes.
Et ce sont des paramètres qui peuvent interférer sur le moral d'un champion. Vous savez, tout champion, tout patineur roule avec des sensations. S'il ne ressent pas au moment J ces sensations-là, il peut être en danger. Malgré sa forme physique, malgré sa préparation psychologique, s'il ne ressent pas les sensations au moment J, il risque d'y avoir un petit doute dans sa tête qui peut éventuellement eh bien, l'amener à faire de mauvaises courses. C'est pas vrai, ça. Le Canadien, il avance pas. On le laisse partir, on le laisse prendre un demi-tour. La seule différence, c'est qu'il avance pas, mais il est intelligent. Le virage, Thierry ! Le virage de la corde ! Oui ! Oui ! Allez, Thierry ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il retente en tête par l'intérieur de la piste. Il est suivi donc par le Rosset. Angleterre en deuxième position. Alors Portugal, Angleterre, France, USA, Espagne. Arlo, qui est passé en première position avec le Français. Un 10 000 mètres, il y a des mois et des mois qu'on prépare ça, c'est pour nous. Il n'y a aucune autre équipe qui est capable, qui a fait l'entraînement qu'on a fait pendant des semaines et des semaines sur cette piste. Bon, alors, tactiquement, il faut durcir la course. Si on amène les Italiens dans le dernier tour, on sait qu'ils vont nous battre au sprint. Si on amène un Américain, on sait qu'il va nous battre au sprint. Donc notre seule chance, c'est de durcir la course. Il faut absolument les faire exploser physiquement. Bon, si vous êtes d'accord, hein, Franck, tu vas être un peu l'équipier là, hein, l'équipier de luxe, puisque tu as déjà été champion du monde, mais aujourd'hui il faut que tu te sacrifies pour tes petits copains. Je sais que tu es capable de le faire. Donc toi tu contrôles tout. Hein. Bon Hervé, toi t'en gardes sous le pied évidemment, puisqu'a priori c'est toi qui dois finir. Tu vois, tu restes un peu tranquille derrière, tu contrôles la situation. Et Thierry. Comment ? Je reste derrière Franck. Tu restes derrière Franck. Et tu le laisses lui devant faire le ménage. Et Thierry, tu contrôles toutes les échappées. Tout ce qui s'en va, tu pars avec. Et peut-être qu'il y en aura une qui sera la bonne, hein, et si c'est la bonne, mais tu vas au bout, et puis au sprint, tu es capable de battre n'importe qui. Alors tu participes à toutes les échappées jusqu'à l'arrivée, de n'importe quel moment d'ailleurs de la course, si ça part d'entrée tu vas chercher le type qui s'échappe. Dès les premiers mètres, Franck Perron va tenter de bien se placer en emmenant dans ses roues ses deux coéquipiers, Hervé Lallemand, champion d'Europe en titre, et Thierry Penaud. Dans une course aussi tactique que celle-ci, dans les premiers tours, les coureurs s'observent. Comme ici, Thierry Penaud se méfie de l'Australien sorti du peloton, et pour bien appliquer les consignes, il cède sa place à Franck Perron. Ensuite, il engagera une échappée, d'abord seul, puis en compagnie du Belge Danny Bowens. Le peloton est alors à 50 mètres derrière eux. Mais pas pour longtemps, car le groupe des 16 va rejoindre les deux échappés. À 11 tours de l'arrivée, nouvelle attaque, cette fois c'est le Belge Bowens qui la provoque, jusqu'au moment où Thierry Penaud va se replacer en tête du commandement. Derrière lui, ses deux coéquipiers fournissent des efforts considérables afin de ralentir le peloton et d'éviter ainsi les débordements éventuels des adversaires. Cette course est une course d'équipe assimilée au cyclisme. Mano à mano, le Belge et le Français ne se quittent plus et le peloton a du mal à revenir sur eux. Il reste un tour et Thierry Penaud, porté par son public, voit au bout de cette ligne droite la médaille d'or scintiller. La première remportée sur piste au sein de l'équipe de France, on n'en revient pas. C'est surtout les gamins qu'il faut féliciter. Moi, je suis pour rien, vous savez. J'essaie de passer dans les meilleures conditions possibles, mais c'est lui qui gagne. Était aussi un sport d'équipe, je pense que c'est un bel exemple ce soir. C'était très dur. C'est dur derrière de contrôler, essayer d'intimider les autres équipes, les empêcher de rouler. Et puis bon, ben, ça a marché, c'était super. Cette médaille d'or, c'est la première, certes, du championnat du monde, mais celle qui prouve la qualité, non seulement de nos athlètes, mais l'intelligence. Cette course est la course de l'intelligence.
Une nuit seulement pour savourer la médaille d'or et le lendemain on repart de plus belle. Dans les stands affectés à chaque pays, l'entraîneur décontracte, masse les jambes lourdes de ses coureurs et pense également les brûlures dues aux chutes inéluctables. Les chutes sont monnaie courante, mais ce sont des chutes tout à fait bénignes. On a même vu dans les dernières courses hier et avant-hier des patineurs tomber, se relever et rattraper le peloton sans problème, se faire soigner à la fin d'une course. C'est pas un critère de... Alors si on sait que justement les chutes bon, sont un petit peu dangereuses, oui. Est-ce qu'on apprend dans les écoles de patinage à tomber? Oui, alors ça c'est un des points forts de nos écoles de patinage. Actuellement les enfants commencent entre 6 et 7 ans, ils peuvent commencer à rentrer dans des écoles de patinage. Et la première chose qu'on leur enseigne, c'est de tomber, puisque l'on sait qu'aussi bien à la course d'ailleurs qu'à l'artistique ou au hockey, c'est le seul problème vraiment important. La course la plus ingrate, celle qui laisse le plus de traces, est sans aucun doute la course par élimination. Le principe est le suivant. Pour les féminines, 10 000, pour les jeunes gens, 20 000 mètres à parcourir, au cours desquels un concurrent est éliminé à chaque tour. Un rythme soutenu, surtout dans la dernière ligne droite, où les coureurs doivent sprinter pour éviter d'être éliminés. Dans le peloton, on assiste parfois à des règlements de compte, comme ici, entre italiennes et américaines. Et si l'on négocie mal son virage, comme à l'INENAP, la chute est inévitable. Et pendant ce temps, les Italiennes réalisent un véritable strike, 3 places sur le podium. Comment s'est passée cette chute-là? C'est dû à quoi? Ce qu'il y a, c'est que tout le monde est énervé à cause de l'élimination qui se fait là, dans le dernier tour. Et moi, je me suis bagarrée déjà dans le virage avec une Italienne. Et puis, bon, on est sortis près l'un de l'autre. Et le sprint, pendant le sprint, on s'est pris les patins. Enfin, elle aurait pu aussi bien tomber que moi, parce que là, je suis déçue. Je suis déçue, j'avais encore je me sentais bien là. Et pour clôturer ces championnats du monde, une course spectaculaire, celle de l'américaine, qui consiste à passer le relais à son coéquipier en le poussant. Ça c'est ce qu'il nous faut. On fait un Catalina. Voilà, la petite poire est bien là. Il est derrière l'Italien, impeccable, il est bloqué. Ouais, on regarde là déjà les Japonais. Derrière, ça tire. Ça va vite. Il a recollé. Allez, Philippe, allez, la gueule. Alors, la sortie du virage là-bas, il prend. Ah, c'est les Italiens, tu peux appeler. Alors, ils tombent pas, quoi. Tu parles, regarde ça. Et l'Américain qui revient fort, pourvu qu'il ne tombe pas. Oh là là, pourvu que... Oh là, c'est les Italiens, tu parles, Galiazzo, tu vas voir la fusée. Seul problème. Ah oui, on aura une médaille, on va faire une médaille. Mais ça m'étonnait qu'il puisse reprendre l'Américain. Ouais. Oh là là, ça glisse. Médaille de bronze. Ça fait rien, c'est ça bien. Ça fait rien, mais non, c'est bien. Oh, un petit arrêt italien, américain. Mais si comme moi vous avez été séduit par ce sport, vous l'avez remarqué, très athlétique, c'est un sport à part entière, eh bien venez nous rejoindre avec vos patins. Vous le voyez, après ces championnats du monde, eh bien l'équipe de France m'a accepté dans l'équipe et tout se passe bien. On y va, le premier entraînement? Allez, on y va. Pas trop vite, hein. Silver, Caesar, are you the magic rose?
The silver suit seems a lingerie. Which of the man, which is the heart? Building somewhere, day after day.